Dutch version. I will send it to you. Merci. Bon, alors on va faire pas mal de l'entre-soi. Trois personnes, on les remercie qui ne sont pas de notre milieu associatif. Je vais peut-être leur laisser la parole. Monsieur. Bonjour. Vous êtes Yvan. Et vous venez pour Vous écouter religieusement. Formidable. Monsieur. Bonjour, je viens de l'Alsace. Alsace, bravo. Et je suis Mathias du TOF. Oh, ah, oui. Vous êtes de la famille déjà. Oui. Ok. Et monsieur? Moi c'est Jacques, je viens de Royan et je roule en Tesla. Voilà. Génial. Bon. Bon, c'est notre deuxième édition du salon Remove. Et l'an dernier, force avait été de constater qu'on avait oublié de parler de nous. Alors, à travers l'événement proprement dit, on pouvait quand même deviner qu'il y avait des acteurs adeptes de la mobilité électrique voilà, qui avaient envie d'inciter leurs concitoyens à les imiter. Là, on fait un exercice un petit peu plus formel qui s'inscrit dans un cadre plus large de conférences sur des sujets divers, tous ayant trait à la mobilité électrique. Voilà, donc on a eu ce matin Rémi qui nous a parlé de l'environnement et plus précisément de mobilité dans ce contexte. Là, on va avoir un petit temps de parole pour présenter successivement tous les morceaux du puzzle de ce milieu associatif utilisateur de véhicules électriques. Ensuite, on aura une présentation très attendue sur les batteries et leur recyclage. Ensuite, on a quelqu'un que vous connaissez pour la plupart qui s'appelle Fro Garage, voilà, son pseudo. Il va nous parler de comment partir en véhicule électrique le plus sereinement possible. Sébastien est un professionnel de la conduite, il apprend à conduire depuis des années sur des véhicules électriques, donc il va nous partager cette expérience. Ensuite, que je ne me trompe pas, on a Didier Malga, ben voilà, qui s'est illustré dans la catégorie véhicules électriques depuis pas mal d'années. Les motards électriques, nous parlerons de la montée en puissance de la mobilité électrique sur deux roues. Et on terminera par des acteurs qui proposent des solutions de recharge entre particuliers. Voilà, donc ça c'est un rappel général de la journée qui nous attend. Les associations d'utilisateurs de voitures électriques, en quelques mots, elles sont nées globalement à peu près à la même période, lorsque la Zoé et la Nissan Leaf sont sorties. Voilà, un certain nombre de personnes ici et là en France y ont goûté et ont trouvé ça génial et se sont mis à l'ordre de marche pour le faire savoir. Voilà, c'était top et absolument nécessaire. À ce stade-là, je vous propose déjà de faire un premier tour de table avec successivement plusieurs associations françaises qui ont rejoint la FOB. Je ne sais pas ce que donnerait l'ordre alphabétique, mais je vais être pragmatique. Je vais donner la parole à notre ami Nicolas, qui est présent dans plusieurs associations, mais qui va plutôt nous parler d'Electromobile 24 et puis faire allusion à son site calendrier des événements électromobilistes en France. Oui, bonjour. Donc, Nicolas Mazière, je représente aujourd'hui Electromobile 24, qui se trouve dans le 24 en Dordogne. C'est une association qui a été créée à peu près au début de l'existence des véhicules électriques, c'est-à-dire en 2014. 1875. Avec cette association, on fait beaucoup de rencontres, de rallye touristique, comme à peu près toutes les associations. Surtout pour promouvoir l'électromobilité et aussi les déplacements dans les régions, donc pour la Dordogne, pour faire visiter un petit peu la région qui est quand même assez grande. On organise des rallyes suivant les régions dans la Dordogne, puisqu'il faut savoir qu'il y a plusieurs régions en Dordogne qui sont différenciées par couleur. Bon, je ne vais pas étaler aujourd'hui, ce n'était pas la peine.
Et puis on est présent à Fou depuis quasiment un an, puisqu'on est co-formateur. Voilà. Sortie VE, donc c'est un site internet qui a été créé maintenant quelques années, c'est-à-dire 4 ou 5 ans à peu près. C'est à force de faire des rencontres et puis des rallyes touristiques. On s'est aperçu qu'on faisait souvent ces mêmes rallyes, ces mêmes rencontres, des fois à des kilomètres très proches et sur les mêmes dates. Donc on s'est dit faut pallier ce genre de choses et on a créé ce calendrier, si on peut appeler ça un calendrier, cet agenda on va dire, de toutes les rencontres qu'on peut répertorier. Comme ça nous évite d'avoir des doublons, si vous voulez. Et ça permet éventuellement aussi, et surtout même, aux utilisateurs de savoir où est-ce qu'il y a des manifestations qui pourraient les intéresser. Voilà. Je sais pas ça. Mon ami Sébastien. Merci, monsieur le responsable de l'antenne Île-de-France. On a copié le TOCF pour faire un. Nouvelle Aquitaine. C'est dur quand on dirait le jour. Hein. Je vais vous expliquer un petit peu quand on a créé l'IFrance Café, parce que j'ai créé l'IFrance Café, ça s'appelait l'IF, hein, on a changé de nom. Je vais vous expliquer pourquoi le nom aussi, pourquoi on a créé l'association et comment, et puis ce qu'on fait, quoi, quel est le but. Donc comme vous le voyez, l'IF, c'est parce qu'en 2013, il y a un mec un peu barjot qui allait s'acheter une Nissan LEAF, première version, à 250 km de chez lui. Le jour le plus long de ma vie, hein. Je m'en souviens, c'était le 7 août 2013, voilà. Je vais chercher la voiture, le gars m'explique qu'heureusement, je comprends vite au premier relief ou au premier dépassement de camion que va falloir que j'arrête, c'est une grosse frayeur. Puis j'arrive chez un concessionnaire, le gars sait pas me charger, enfin je vous raconte pas l'histoire en entier parce que je pourrais faire un bouquin, on a fini par arriver. Hein. Mais je me suis dit là, il y a un problème, les mecs, même les concessionnaires connaissent pas la bagnole, moi j'ai été obligé de rappeler le proprio, il avait mis la programmation de charge, hein, tout simplement, voilà. Il a juste appuyé sur un bouton. Donc j'ai dit, faut partager cette expérience et qu'on fasse une communauté, qu'on échange, je ne dois pas être le seul Pékin, j'avais vraiment l'impression d'être le seul, hein. J'aurais atterri chez Total avec une soucoupe et j'aurais demandé plein de plutonium, c'était pareil hein, quand je suis allé à la première station. Hein, avec... voilà, donc j'ai dit, faut faire un truc, et je suis très communautaire, j'aime bien les clubs, je fais partie de clubs de moto, notamment maintenant il y a des clubs de moto électriques, je crois, j'anticipe. Et donc j'ai créé le LIF pour la voiture, de ça. France parce que je voulais faire un truc à vocation française, c'était déjà pas mal, et café parce que c'est convivial, puis à l'époque on disait une charge à le prix d'un café, faut se rappeler qu'on mettait que 20 kWh dans une LIF, voilà. Et j'ai créé un groupe Facebook, voilà, qui a grossi un petit peu, on a fait pas mal d'échanges, et puis un jour on s'est croisés en vrai, nos autonomies nous ont permis de nous rencontrer. Et donc, l'idée c'était de nous réunir, d'échanger des infos, parce qu'il y a des trucs tout cons, vous ne savez pas, hein, et se rencontrer et puis échanger en vrai. Donc, on a pu faire presque une centaine de rencontres avant le Covid, et puis, comme disait Nicolas, des rallyes, des rencontres physiques, voilà. Ça a bien plu à Nissan, tout ça, qui nous a soutenus, qui nous soutient encore. Et puis l'année dernière, on s'est appelé IFrance Café avec juste un E. Alors là, le visuel, il est un peu vieux. Et tout simplement, parce qu'il n'y a plus que la Zoé et la LEAF, il y a tout un tas de voitures. Et on a des adhérents qui sont partis sur Kia, sur Tesla, sur Ford, sur tout ce que vous voulez. Et on dit, il faut qu'on ouvre un petit peu. Voilà, et on a rejoint la FO Paris. Je ne sais plus, on est 9 à ce, je crois. Voilà. Et je passe la parole à monsieur Pierre Rousseau. Allons-y. Merci. Bonjour à tous. Donc Pierre Rousseau, président de l'association des motards électriques. Donc je vais vous présenter un petit peu comment on a créé tout ça. Donc avec Guillaume qui est présent ici, qui a d'ailleurs une conférence cet après-midi sur la moto électrique aujourd'hui. Et Jérémy qui est sur son stand Revolt, qui est un professionnel de la batterie des véhicules électriques. Donc
On va commencer avec mon expérience personnelle rapidement. J'ai acheté une Zero Motorcycle, donc une moto électrique en 2016. C'était un petit peu la même chose. Je pensais que j'étais le seul à... Enfin, d'ailleurs, c'était la première, enfin, c'était la deuxième qui vendait, en fait, sur Bordeaux. Et oui, c'était l'OVNI complet, quoi, la moto électrique, quoi. Donc j'ai... De base, moi, la moto, ça ne m'a jamais attiré, la moto thermique, je veux dire. Et en fait, j'ai découvert la moto grâce à la moto électrique. C'est quelque chose d'assez, d'assez incroyable comme sensation. Déjà, la voiture électrique, ça pousse. On a quelque chose qui... On vit une autre expérience qu'une voiture thermique. Mais en moto électrique, je trouve que ça décuple encore plus les sensations et on a quelque chose d'assez extraordinaire. Et en fait, pour comprendre la moto électrique, il faut l'essayer. Et c'est vrai qu'on arrive... c'est vrai que la moto, c'est un univers assez spécial. Enfin, c'est quelque chose... La moto, c'est un achat beaucoup plaisir, contrairement à la voiture. Et c'est vrai que vis-à-vis du motard, c'est plus compliqué d'amener la moto électrique, d'échanger et de discuter en fait de cette nouvelle technologie. Donc 2016, j'achète donc une Zero Motorcycle, je suis sur les réseaux sociaux aussi, je me dis bon, il y a bien quelqu'un qui va créer un groupe sur internet, 2 ans se passent, il n'y a absolument rien sur internet, je crée un groupe Facebook qui commence à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui on est 5500 sur le groupe Facebook Motard Électrique, ce qui est plutôt chouette parce qu'on a du coup des possesseurs de motos électriques, des revendeurs, des professionnels et beaucoup de curieux, donc ça nous permet de communiquer sur la moto, voilà, sur une expérience réelle. Et là, depuis septembre de cette année, on a créé l'association des motards électriques parce que c'était un petit peu le fil conducteur, la suite logique. Et j'ai créé ça avec Guillaume et Jérémy, qu'on s'est rencontrés sur internet, en fait, c'est ça? Pardon? Via le groupe. Via le groupe, voilà, c'est ça. C'est vraiment une histoire d'échange à travers la France. Aujourd'hui, on est 40 membres, 40 personnes, enfin, avec les fondateurs, mais on est une quarantaine à adhérer à l'association Motard Électrique. Je trouve que c'est quand même plutôt bien pour un lancement. On est tout jeune dans le milieu associatif, donc c'est pour ça qu'on est très content d'avoir adhéré à la FOV et on les remercie de nous avoir accueillis et aidés, parce qu'on a encore beaucoup à apprendre sur tout ça. Et voilà, l'idée, ça va être de communiquer sur la moto électrique, de montrer l'image réelle de ce qu'est une moto électrique, enfin de l'expérience réelle qu'on peut avoir, parce qu'on entend de tout et n'importe quoi sur la moto électrique. Ça va être aussi d'organiser des événements. Voilà, aujourd'hui, c'est le premier stand officiel Association Motard Électrique, donc ça, voilà, c'est le premier événement. Et après, par la suite, on aimerait organiser une fois dans l'année un rassemblement spécial moto électrique. Et ça va nous permettre aussi, vis-à-vis des institutions publiques, en fait, de faire valoir aussi nos droits, montrer qu'on est présent, qu'il y a des motards électriques qui ont aussi des besoins pour recharger, pour se garer, faire valoir un peu, voilà, montrer qu'on est présent. Et avec tout ce qui se passe avec les zones à faible émission, avec les restrictions et compagnie, il faut pas oublier qu'il y a des motards qui sont là et ça commence à arriver. Voilà, donc je peux vous inviter à aller voir la page Facebook, il y a la chaîne YouTube aussi, on fait des vidéos, on présente la moto. Et voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser pour la moto. Merci Pierre. J'invite Grégoire à nous dire quelques mots sur l'association Vega, puis après il nous parlera du TOCF, puis on passera à FOV dans sa globalité, puis après on fera une ouverture sur l'international. Oui, bonjour, donc Grégoire Magna, je suis de l'association Vega, donc véhicule électrique du pays Tchèque et alentour, dont Stéphane est le président. Moi j'ai rejoint l'association il y a 4 ans quand j'ai pris possession de ma Leaf, voilà, le jour même on m'a dit, oh, tiens, il y a une, enfin c'est l'ALEC local qui m'a dit, oh, il va y avoir un rallye dans le département, donc on s'est contacté et puis j'ai pris plaisir à y participer. Donc comme les autres, on essaye de se donner des conseils mutuellement entre électromobilistes, également de faire des sorties, mais on a une petite particularité, c'est qu'on fait tous les ans un rallye à l'intention du grand public pour expliquer ce que c'est que les voitures électriques. Donc on part toujours du pays Gex et on va se poser dans différentes villes sur la place du marché, sur différents points, où on s'expose pendant 2 heures, on rencontre les élus, on les fait parler, on essaye de leur faire déployer des bornes, et puis on rencontre le
particulier, le citoyen, pour expliquer comment ça fonctionne, pour montrer. Si on peut, on fait des petits baptêmes de voitures électriques entre un petit point et un autre. Voilà, comme ça, toute la journée, sur différents points. Le soir, on se retrouve entre nous avec notre soirée plus festive. Et le lendemain, le dimanche, généralement, là, on se fait un petit rallye touristique entre électromobilistes avec différentes étapes, des petites énigmes. Donc, c'est quelque chose de très convivial, mais ça sert aussi surtout à aller à la rencontre du citoyen et lui expliquer les tenants, les aboutissants, arriver à démonter les fausses informations, ne pas dire non plus que c'est la solution idéale, parce que voilà, c'est pas adapté pour tout le monde, et si vous faites 5000 km par an, vous serez plus polluant en électrique qu'en thermique, donc voilà, et travailler là-dessus avec un certain nombre de partenaires. Voilà, et bah, par exemple, voilà, il y a 2 ans, on a fait le Jurassic Electric Tour, on est allé se promener du côté du Jura et du Doubs, et on mettait en balance les voitures qui roulent au jus de dinosaure. Merci, voilà. Philippe, tu parleras du TOCF, tu feras une transition sur la COP26 peut-être aussi. Bonjour, donc Philippe Roda, je reprends au pied levé un petit peu la représentation du TOCF, donc le Tesla Owner Club France, qui dans sa première mouture existe depuis 2013, mais qui a été adoubé par Tesla début 2021. L'association a été recréée début 2021, a fait partie de FAUX depuis Remove de l'année dernière, ça fait hors de ma part, ça fait juste un an. C'est environ 1000 adhérents, 15 régions, c'est organisé sous forme sous-régionale les 15 régions de France. Avec pas mal de rassemblements qui sont faits donc, de manière régionale et qui on a le Tesla Owner Day le 2 juillet sur accueilli par Michelin à Clermont sur le circuit de la Doubs. C'est le seul événement qui est exclusivement réservé aux adhérents, sinon tout le reste des événements que l'on fait sont ouverts à tout propriétaire, bien évidemment. Et puis, donc, effectivement, comme l'indiquait Stéphane, on a pris part l'année dernière, j'étais un des 2 véhicules français avec Stéphane, qui représentait donc les différentes associations au sein de la Global EV Alliance, GEVA, donc, qui est l'association mondiale des associations d'utilisateurs de véhicules électriques qui a participé à un rallye qui est parti de Bruxelles jusqu'à Glasgow pour aller à l'ouverture de la COP26 donc à Glasgow et porter le message qui a depuis été adopté par l'Europe d'arrêter la production des moteurs thermiques en 2035. Et je ne sais pas si Stéphane veut rajouter d'autres choses par rapport à ça ou si vous avez des questions, mais ça permet l'ouverture à l'international puisque Christophe représente le TFF et Félix ensuite pour encore plus loin en Angleterre. Merci. Donc bonjour à tous, je m'appelle Christophe Gillin. En effet, je représente le TFF, mais je représente aussi une association qui s'appelle Ampère, qui est une association belge d'utilisateurs de voitures électriques, où on fait la promotion de la mobilité électrique et responsable. C'est le Ampère, association pour une mobilité propre, électrique et responsable. Ampère. Donc en effet, moi j'ai surtout fait connaissance avec... Bon, je pourrais vous raconter exactement ce que tous les autres ont dit, parce qu'on vit, même si on est de l'autre côté de la frontière, on vit exactement la même chose, on a les mêmes envies, on a les mêmes événements, on organise les mêmes événements, on a les mêmes projets, on essaye de promouvoir la mobilité électrique le plus possible en expliquant aux gens, en les rassurant, parce que souvent les gens arrivent avec des angoisses sur l'autonomie, sur la pollution des batteries, etc. etc. Donc on essaye beaucoup de former à la mobilité électrique. Et puis, ça c'est au niveau de l'association. Après, moi je roule en voiture électrique depuis 2016. J'ai commencé avec une Tesla, donc on ne peut pas dire que je sois vraiment un pionnier. J'ai pas fait les fameux 250 km en me demandant comment j'avais pu arriver. C'est vrai que j'ai commencé par le plus simple. Et j'ai choisi Tesla parce que pour moi c'était une marque où on sentait bien la volonté d'aller de l'avant dans la mobilité électrique.
J'étais sur des tas de groupes de discussion, etc. Puis je sentais bien que bon, les gens disaient oui, mais enfin, ici, on est sur un groupe Twizy, parce que le premier véhicule que j'ai acheté, c'était pour mon fils, c'était un Twizy. On est sur un groupe, on parle pas de Tesla. Bon, alors, du coup, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Tesla Fan Francophone. Donc, TFF, on est aujourd'hui près de 6000 membres aussi. Ce qui nous permet de créer une communauté ou d'entraide, de discussion. On organise des événements. Il y a deux jours, on était sur le circuit de Spa-Francorchamps. Là, ça nous permettait. Donc, on a cette volonté de se réunir ensemble, de discuter, puis d'accueillir des non-électromobilistes pour leur. Mais on a aussi. Parfois on va au feu, quoi. Et quand on va sur un circuit comme Spa-Francorchamps, on va au feu. Je vous explique pourquoi. Là, on a vraiment affaire à ce qu'on appelle les pétroleux, quoi. C'est-à-dire que les gars, ils nous voient arriver avec notre Tesla, ils nous disent n'importe quoi. Juste avant nous, avant notre session track, hein, on avait une session GT, parce qu'il y avait, une course d'endurance sur le circuit quelques jours plus tard, je pense, enfin, peu importe. Hein, et donc, on va vraiment vers ces gens-là, ces gens qui ne veulent absolument rien entendre de la voiture électrique. Hein, on leur propose de rentrer dans les voitures pour notre session track, parce que nous, comme nos véhicules font pas de bruit, ben, du coup, on a accès à des plages horaires sur les circuits qui sont normalement interdits pour les riverains, etc. Et donc, voilà, ça c'était un exemple de choses qu'on réalise. Pour essayer d'aller attaquer, c'est pas le bon mot, hein, pour essayer d'aller convaincre des gens qui sont difficiles à convaincre, hein, en l'occurrence des gens qui roulent en voiture GT, voilà, et c'est vrai que moi, mon fils, par exemple, il est élevé à la voiture électrique depuis toujours, hein, il a commencé à rouler à 16 ans en Twizy, il était sur le bord du circuit avec la session précédente des GT qui passaient, il avait un sourire jusqu'aux oreilles, quoi, hein, donc c'est clair que c'est quand même un effort à donner pour essayer de convaincre ces gens qui sont drillés par le sport mécanique, etc. Voilà, ça c'est un des exemples. Ce qu'on fait aussi, par exemple, et ça va intéresser les France Café, etc. Voilà, ici le TFF, hein, donc le groupe Facebook, on a réalisé un document, comme vous le savez, le réseau Tesla va s'ouvrir à toutes les marques. Hein, c'est pour nous une très bonne nouvelle. Il y a certains propriétaires qui râlent, parce qu'ils estiment que, voilà, on leur enlève un privilège, hein, ils se sentaient un petit peu les... Voilà. Bon, c'est vrai, c'était agréable d'arriver et de voir les gens qui stressaient à charger. Et nous, voilà, nous, on a jamais vraiment eu ce problème. Mais pour nous, c'est quand même une grande nouvelle de pouvoir ouvrir le réseau Tesla à toutes les marques. Et quand les premières stations se sont ouvertes d'abord en Hollande, ensuite en France et puis maintenant en Belgique, on a vu que les gens étaient mal informés, tout simplement. D'abord mal informé par les concessionnaires. C'est d'ailleurs aussi une des missions que l'association Ampère a pris en charge, c'est-à-dire aller chez les concessionnaires organiser des journées d'information. Donc là, je suis hors Tesla, hein, donc on a fait des journées d'information chez Renault, chez Peugeot, etc., où on explique, on rassure, etc., etc. Donc les concessionnaires sont en demande de ça parce qu'ils n'ont pas forcément le bon input je veux dire du groupe, etc. Il y a des mauvaises informations. Combien de fois on a vu des voitures, lorsque le réseau n'était pas ouvert, débarquer sur le réseau Tesla pour être tenté de charger, et forcément ça marchait pas. Mais pourtant, les gens, on nous a dit, quand j'ai acheté ma Renault, on m'a dit que je pouvais charger sur le réseau Tesla, etc. Donc voilà, donc nous on fait aussi des formations auprès des concessionnaires. Et puis alors on a sorti ce document, qui est un résumé. D'ailleurs, je suis arrivé tout juste ici à la conférence parce que j'étais en train de faire le tour des constructeurs pour leur donner un exemplaire, qui est un document qui explique comment fonctionnent les chargeurs Tesla. C'est vraiment pour simplifier la vie des non Tesla, hein, pour arriver, quelle est la différence entre un chargeur V2, un chargeur V3, on a des prises T2, on a des prises combo CCS, alors sur tel type de chargeur, il faut prendre la combo CCS, pas la T2, etc., etc. Hein, comment est-ce qu'il faut? Il faut s'inscrire avec l'application, mettre son numéro de carte de crédit, en fonction de la position du port de charge, quelle est la meilleure place à choisir quand le site de supercharger est un peu bondé, etc., pour éviter les stress, parce que le gars qui arrive avec sa Tesla, il y a deux places qui sont prises par une Audi parce que lui, il a son port de charge à l'arrière droit. Voilà, bon, donc on essaye d'expliquer ça. C'est vraiment dans une volonté d'accueillir tous ces gens. C'est pas pour leur dire, on va vous dire comment ça marche, hein, parce qu'on n'a pas envie d'être emmerdé, hein, c'est pas du tout ça. Hein. C'est vraiment la volonté d'accueillir tous ces gens, et on espère donc que bientôt l'ensemble du réseau de superchargeurs va s'ouvrir. C'est d'ailleurs prévu, hein, Tesla l'a prévu.
et dans toute l'Europe, enfin dans le monde entier d'ailleurs. Et donc nous on est très content de ça et on voulait que chaque utilisateur de voiture non Tesla soit équipé d'un petit manuel pour pouvoir... Alors exactement. Donc, alors bon, il y a le souci combo CCS T2, mais ça marche. Hein. Bon, il y a des motos combo CCS, hein, je pense. Il y a l'Energica et la LiveWire de chez Harley Davidson. Ok, et la Zero, c'est... Et la Verge. Elle n'est pas encore vendue. Elle a un peu tout seul. Mais le Zero, c'est pas encore actif. C'est vraiment Energica et LiveWire. On l'a déjà eu justement, et c'est ça qui est chouette sur le groupe de partage des motards qui ont pris les photos, la moto avec le chargeur Tesla, en pleine charge, c'est juste, c'est super, quoi. C'est génial. Et donc ça, j'étais juste avant de venir ici, j'étais en train de discuter avec le gars qui a plusieurs marques de motos là-bas. Bon, alors bon, lui là, il présente des motos avec juste une prise de charge 220 volts, mais il me disait que ça allait évoluer vers des prises de charge T2 ou combo CCS. Parce que en effet, en moto, si on n'a pas l'occasion de faire une belle grande balade, il y a quand même une petite frustration. Alors, le fait que le réseau Tesla s'ouvre, et aussi pour les motos, c'est, je crois, une très bonne nouvelle pour tout le monde. Quand on a une bande de motards et qu'on peut s'arrêter sur un chargeur comme celui qu'il y a à Beaune, avec 28 bornes, ça permet de ne pas perdre trop de temps et de continuer la balade. Là, c'est le problème, voilà. En fait. C'est le gros problème des motards, c'est que quand on est à plusieurs motos, là, les Tesla, c'est royal parce qu'il y a choix. Voilà, on n'est pas limité. Donc voilà, je vois que il faut que je passe le micro. Mais comme ça, vous avez la partie belge. Oui, on ne s'est pas beaucoup éloigné de France, on va y revenir en France. Je vais passer de la parole à Renaud, pour une autre association qui est en train de rejoindre Fauve. Et après, on passera la parole à Christian qui nous parlera de la cause. Bonjour à tous. Donc effectivement, la dernière association à avoir aussitôt sa création rejoint Fauve. C'est l'association qui est basée dans le plus, qui s'appelle The Provençaux. Et l'intérêt de sur l'association, c'est de pouvoir, à partir d'un petit local qui était un peu défavorisé en termes de bornes de recharge, de surcharge, et il y a aussi peu d'utilisateurs de véhicules électriques dans ces territoires, pouvoir arriver à aller près d'eux et pouvoir discuter avec eux, les convaincre, les convertir, leur montrer comment ça marche, leur dire que c'est pas si compliqué que ça, que la vie est plus belle et que voilà. C'est la Provence en silence, c'est un peu le slogan de The Provençaux, c'est la Provence en silence. Donc c'est toute jeune association, on a tout à faire, mais ça commence, voilà. Et merci à Fauve de nous accueillir, on va pouvoir comme ça mutualiser les choses et continuer de mailler le territoire sur le territoire de la France. Voilà. Je propose de passer le micro à Christian, une association qui est la majeure de vol. Pas moi, même si je suis... Oui, bonjour, je me présente donc Christian Villard. Je suis, on va dire, bénévole au sein de la cause, parce que Christopher Brown, qui appartient toujours à la cause, m'a entraîné l'année dernière au stand à cause sur le salon Remove. Et cette année, il m'a dit tu te débrouilles tout seul. Voilà, donc je suis rentré à la cause par le forum Zoé. Il y a 7 ans. Il y a 7 ans, moi, c'était encore sur 50 km, hein, maximum avec une Zoé. Et mon premier souci, c'était comment ça marche. J'étais jamais sorti de la zone de confort de la région parisienne. Et mon premier rallye, je l'ai fait en 2016 dans le Calvados. Et là, je cherchais des renseignements pour savoir comment on pouvait charger, combien de fois il fallait charger, où on pouvait charger, enfin voilà. Donc mon adhésion à la cause m'a servi à tout ça, parce que sinon j'aurais jamais fait un rallye. Donc je comprends la problématique des gens qui débutent dans on va dire, l'électromobilité. On est là pour les aider, nous, à la cause. Hein. On a connu ces galères-là, donc j'estime qu'on peut apporter du soutien maintenant aux nouveaux adhérents, les gens qui viennent se renseigner sur l'électromobilité. Voilà. Et comme tout le monde, on défend, on essaye de pousser le plus de gens à adhérer à l'électromobilité. Oui, donc l'autonomie...
on l'a évoqué, on a connu son manque. Justement, la FAB a voulu montrer l'an dernier qu'on pouvait aller loin en voiture électrique. Et là, je vais passer le micro à Sébastien qui va nous raconter l'aventure du Transylvanie Electric Tour. Voilà. Alors, l'aventure, j'ai envie de dire, c'est on a traversé l'Europe, on a fait 5500 km, c'était moins stressant pour moi avec mon Soul 64 kWh maintenant que de traverser la France en 2015 avec ma Lille 24, quoi. Donc, c'était moins l'aventure. Je pense que ça l'était un peu plus pour Jérémy qui a vraiment assuré en moto. Pour vous la faire simple, on est parti de Besançon le 24 septembre, on a fait tout le tour de l'Europe, on est passé par l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie. On a vu Dracula, on a bien sorti avec Stéphane, le château de Dracula, c'était moins une. On avait assez d'autonomie pour se barrer, heureusement. Et si quand même à Brasov, on est tombé sur une borne, on n'a pas réussi à recharger. Alors ça c'est fort. En plein milieu de l'Arménie, vous imaginez, on n'arrive pas à recharger tout ça, on demande à l'association roumaine et tout, puis je regarde la borne, puis qu'est-ce que je vois comme marque ? Electronic. Je me dis merde, en plein milieu de la Roumanie, c'est French matériel, c'est French. Putain. Donc, on n'a pas eu trop de soucis en fait, si ce n'est qu'on traverse l'Europe en plein Covid, que faut remettre les masques, tester avant d'arriver en Serbie. Que Jérémy il a une étape de 650 km en moto avec juste deux bornes au milieu, il n'a jamais roulé aussi doucement. Il a mis le mode éco pour la première fois. Il a mis le mode éco, non, même pas, Rain, ou je ne sais plus quel mode, mais même pas, il était en sport tout le temps. Et au final, on a prouvé qu'avec nos quatre voitures électriques, dont une MG ZS, première version, à 44 kWh, le gars n'était jamais parti de Besançon. Hein. Il avait une carte charge map, il dit, mais t'es fou toi. Et voilà, à nous tous, avec toutes nos badges, nos applications et notre expérience, je ne conseillerais pas tout le monde non plus, c'est vrai. Donc, le gars lambda là, qui sort de sa Clio DCI, je lui dis vas-y, prends la voiture, puis va en Roumanie. On a quand même préparé le trajet, faut pas déconner. Mais en tout cas, c'est faisable, quoi. C'est faisable, il y a ce qu'il faut, il y a les bornes. Et puis, voilà, c'est juste une autre façon de rouler, quoi. On le sait tous, hein. On ne s'arrête pas pour recharger, on recharge parce qu'on s'arrête. Et puis, on avait des rendez-vous assez souvent dans beaucoup de pays des associations, on a vu les associations, on a vu nos sponsors, hein, Freshmile, on peut les citer, je pense. Les moteurs électriques à Stuttgart, Sono Motors à Munich. En Hongrie, on a vu le EDF hongrois, un peu, qui était super content de nous voir. J'ai jamais vu autant de Nissan Leaf qu'en Hongrie. Hein. Si vous voulez vendre une Leaf, envoyez-la à Budapest. Hein. Taxi et tout ça. Tu l'as fait, toi, d'ailleurs. C'est un Hongrois qui t'a racheté. Tommy, voilà. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Stéphane ? Pareil en Roumanie, pareil. On a vu ouais, les associations. En Serbie, le club bulgare. On a rencontré des rétrofiteurs. Ah oui, parce que dans d'autres pays qu'en France, on a le droit de rétrofiter des voitures. Et nous, on n'a pas le droit. Hein, à peine on touche un truc, c'est plus bon. Donc ça, on a vu des. On a vu Metron en Slovénie, une DeLorean, j'ai vu une Tesla qui est chargée en Energica, donc du coup, voilà, parce que le V2L, le V2G, tout ça, c'est des choses, pourquoi est-ce qu'on rame en France chez Energica, ils n'ont pas voulu nous montrer, hein, sinon on aurait vu la dernière, l'Xperia. Et puis voilà, bah, on a fini sur le circuit de Charade le 10 octobre, vous voyez, 5500-6000 km en 15 jours, tranquille. Voilà, une balade. Oui, donc il y a vraiment tout un milieu associatif d'utilisateurs dans les autres pays qui se sont groupés sous un label qu'on appelle le GEVA, Global EV Alliance. Vous pouvez aller voir globalevalliance.com. C'est sous cette bannière-là qu'on a construit la route vers la COP26. On en a suffisamment parlé peut-être, oui. Donc effectivement, un rendez-vous chez Christophe qui avait organisé toute la partie Belgique, Calais, un bel événement à Gravelines, avec l'aide du TOCF Hauts-de-France, le tunnel sous la Manche, hein, on ne pouvait pas traverser la Manche autrement que par le tunnel, donc en train électrique. On est monté plein nord avec plusieurs étapes successives, on s'est arrêté chez Gritserf, c'est des stations absolument incroyable, complètement dédié aux voitures électriques.
Donc ils ont des grands champs de panneaux photovoltaïques à distance et ils alimentent avec ça leur station. Je pense que maintenant ils en sont à 2 ou 3. Vous pouvez aller voir la chaîne YouTube globale de l'Alliance. On s'est arrêté après un peu plus au nord chez un fabricant de wallbox. Et on s'est arrêté également sur le futur site de British Volt. British Volt, c'est une gigafactory européenne. Bon, la France elle-même va s'en douter dans le nord de la France. Et puis après, petit à petit, on est arrivé jusqu'à la COP26. Bon, je ne dis pas qu'on a pu y rentrer réellement. Hein. Il faut montrer patte blanche. On n'a pas eu trop le temps de préparer tout ça parce qu'en fait, avec le Covid, on n'était vraiment pas sûr de pouvoir faire la chose. Mais voilà, on a fait parler de nous tout au long du trajet. On avait avec nous une célébrité qui s'appelle Félix Hammer, alias Electric Félix. Et je vais lui passer le micro, je souligne qu'il est venu hier en moto Energica, il a fait plus de 500 km. Il est arrivé là avec la banane, je pense qu'il est très très heureux d'être ici et je le remercie chaleureusement d'être avec nous. Merci beaucoup Stéphane. Yeah, so I will talk in English, I hope you will understand. But anyway, I met Stéphane last year and we traveled indeed together to the COP26 in Glasgow. But 5 years ago, I won an electric motorbike ride for one day. And what I did is I went to the beach and on the way back home, I charged up at Fastnet because the Energica could already do fast charging 5 years ago, which many motorbikes today cannot. And this moment made me realize that, you know, until that time, I had been driving around Amsterdam with shared electric vehicles because we had this car-to-go system that Paris also had something similar. So I just thought electric mobility as something local and easy because, you know, you don't need a fast plug because you can use any plug if you drive locally. But the motorbike made me realize that thanks to the Fastnet stations that were around the Netherlands 5 years ago, about 50, you could take this motorbike back then all around the Netherlands all day, every day, wherever you want to go, because the chargers are there. And back then the battery was still tiny. And now in the new Energica, the battery is double the size, the engine is smaller but more powerful, and so the bike weighs less, has more power, has double the battery, can still fast charge like crazy. So it was me who was tired yesterday driving here and I needed a break, I needed water. It didn't need to charge, I just plugged it in because I needed a charge. And it shows you, of course, right now this bike is expensive and etc. I'm just renting it. And the thing is that these things will come down and this bike will be a second-hand bike one day. So it's easy to see that electric mobility will take over everything. And that's a good thing, of course. So we just need a little bit more infrastructure, but luckily that's being worked on. I'm very glad to be here. And I hope you have a great day. You can follow my adventures on electricfelix.com. Peut-être en guise de conclusion, repasser le micro à des personnes qui ne connaissaient peut-être pas le milieu associatif. Qu'est-ce que cette présentation vous a inspiré? Très bien, je ne connaissais pas toutes ces associations. Et finalement, ce qu'il y a, c'est que justement, la concordance, c'est ça en fait, je pense, qui est le plus important. Nous sommes tous finalement une grande famille de l'électrique. Je pense que c'est la meilleure conclusion que je puisse faire. Monsieur, également, un petit mot. J'ai trouvé qu'il y avait une volonté de décloisonner, c'est-à-dire de faire tomber des murs pour construire des ponts, notamment avec ce qui a été dit, là, de créer un réseau sur les manifestations, etc. Enfin, donc l'idée, c'est que les associations ne fonctionnent pas en mode isolé. Ça, j'ai trouvé ça très très intéressant. Voilà. Et si on peut se prêter au jeu des traditionnels des questions-réponses, si vous voulez en savoir plus sur peut-être ce que Ford prépare l'an prochain, quelques mots sur Remove quand même, qui a changé de dimension cette année.
passer sur 3 jours, des conférences, et puis beaucoup de participants. La parade ce matin sur le circuit était vraiment incroyable, hein. On était 13 voitures l'an dernier, cette fois on était sinon 40 du moins, plus de 30 voitures, une douzaine de motos, voilà. Parler de ces associations autour de vous, inviter les personnes qui s'interrogent sur la mobilité électrique à se rapprocher d'elles. Nous, on n'est pas du tout commercial d'aucune marque. On est là pour vendre la voiture électrique en général. On en parle en tant que citoyen, en tant que consommateur. Voilà, sans la survendre, mais avec quand même une appréciation hyper positive sur son rôle dans la transition énergétique. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous pousse de façon complémentaire à agir également dans d'autres registres en faveur de l'environnement. Voilà, on va faire une petite pause, mais assez rapidement on va avoir une super conférence de Renault qui va nous parler justement d'un des derniers griefs finalement qu'on adresse à la voiture électrique, c'est les batteries, c'est ça, les batteries ça se recycle pas, les batteries ça fait travailler les petits-enfants dans les mines. Voilà, il va nous parler de tout ça et avant de recycler pour la deuxième vie des batteries. Voilà, un petit break et on y retourne.